Week-end de carnaval qui démarre dans quelques heures. Il y a une véritable institution à Cayenne, c'est un dancing qui s'appelle Nana. C'est là où se retrouvent tous les masqués, ce qu'on appelle là-bas les touloulous. Et croyez-moi, ils vous mettent vraiment les vertèbres à la tortue avec cadence. C'est chaud et c'est même plus chaud que l'enfer. C'est l'artiste chéri de tous les carnavals depuis 1980, Christian Senelis. Un succès notable, notamment en 1980, avec Africano, beaucoup plus chaud. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque dimanche après-midi, dès le 1er du mois de janvier, ce jusqu'à la mi-mois de février, il y a ce qu'on appelle un vidé à Cayenne. Alors un vidé, c'est tout simplement un défoulement dans la rue. Alors un bidet, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un orchestre juché sur un camion et tout le monde suit en cadence ce camion pendant des kilomètres et tout le monde danse au son des orchestres et bien sûr des rythmes de cadence. Le carnaval c'est seulement la plus grande attraction de la Guyane. Total sur Télévision Sans Frontières avec la Guyane. Et tout le monde qui court sur le macadam. Au programme de ces jours gras, le lundi en principe c'est la journée des mariages, les hommes s'habillent en femmes et les femmes s'habillent en hommes. D'ailleurs on va en voir passer dans quelques minutes. Le mardi c'est le jour des diablesses, tout le monde en rouge et le mercredi décembre on brûle Vaval, c'est la fin du carnaval, tout le monde en noir et blanc. Allez, allez, chaud, chaud. Les jeunes mariés dont on parlait tout à l'heure, les hommes en femmes et les femmes en hommes, c'est ça le travesti du Mardi Gras. Nous qui en lassé, nous qui gardons.
le carnaval le plus authentique de la région des Caraïbes-Guyane, puisque c'est un carnaval très spontané. La Guyane compte beaucoup d'amis, notamment les Antilles, bien entendu, et en Martinique.